voilà, nous voilà arrivés, il fait jour. Il ne fait pas chaud. Hein. À mon avis, il fait 5-6 degrés, pas plus. Piton des neiges est toujours là-bas. Marabout, fidèle à sa réputation, est toujours humide. Heureusement, c'est un petit peu aménagé par place. Et les pierres là sont bien agréables. On arrive à la mare, à l'intersection, en 2h38 minutes, pour 11 km 380. C'est pas rapide, mais c'est très dur. Voilà, c'est là que je vais. Pas mal d'eau hein, aujourd'hui. Malheureusement, le brouillard s'est levé. La vue ne sera pas terrible. Et voilà, donc on va devoir grimper tout ça. Ça monte fort en plus. Voilà le chemin. Ça monte fort. Ça se rapproche un peu de l'escalade. Et voilà, je suis en haut. Là-bas, on voit le chef. Piton des neiges. On souffle un peu, c'est dur. Le chemin devient praticable pour quelques mètres. Alors, d'un côté, on a Sillaos, bien entouré, grand. Les deux chefs, hein, là-haut. On aperçoit l'église. Et après, comme on est sur la crête, quand on regarde de l'autre côté, on est sur l'entre-deux. Tout au bout, on voit la mer. Et voilà. Un petit groupe là-bas, petit groupe de randonneurs. On a combien de temps là Dieu? Pour arriver où? Pour. Mais c'est quoi le. Là, le prochain truc c'est la mare. C'est ça. Et après, vous allez tourner à droite vers le Kervegen, puis vous allez rejoindre la plaine des Cafres. C'est ça, non? Ça arrête avant, je pense. Ça arrête avant, ouais. Vous allez où? Bon, on arrive à la première échelle, qui n'est pas trop mal. Hein. Et après, c'est vraiment dans le vide. Faut passer au-dessus de ça, quoi.
on arrive à la dernière échelle, la plus grande, fait 12 mètres de haut. Il y a un joli trou au pied, il ne faut pas se rater. Voilà, la bête. Et voilà, on va arriver à la dernière vue sur Cilaos. Dernière vue, après on va basculer de l'autre côté. Toutes les îlettes là-bas, que je ne connais pas le nom. Voilà, adieu Cilaos. Belle vue sur la côte. Bon, mais là, je redescends. Hein, je suis sur le chemin de la grande jument. Et de l'autre côté, c'est la plaine des caves, tout ça. Je vais descendre là-bas. Bon, mais nous voilà arrivés au croisement. On va redescendre par le zèbre. Je viens de là-bas. Et on redescend par ici. Et voilà, on arrive en bas du zèbre. Retour vers la civilisation. Arrivé au Dassi. Remontée du Dassi, hein, pas si facile que ça, quand on a 8 heures de course dans les pattes. C'est plus pareil. Il paraît plus haut et plus dur. Voilà, arrivé. Mon chauffeur est là. Je suis plus crevé toi. Ah oui, ça va. Mon taxi est là. Et puis voilà. C'est chaud. Alors, donc, 33 km, 8h25. Voilà.